Bonjour. Alors, j'ai passé une commande sur venteprivée.com le mois dernier pour la marque Daniel Jouvence. C'est une marque que je ne connais pas vraiment, donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Donc, j'ai commandé 4 produits et évidemment, je ne pouvais que vous en parler. Donc, comme je l'ai dit, c'est une commande que j'ai passée le mois dernier. Ça a bien mis quand même 5 semaines à venir. Donc j'ai commandé 4 produits que vous avez sous les yeux de la marque Daniel Jouvence. Daniel Jouvence, c'est une marque que je connais évidemment de nom, mais je ne connais pas leurs produits. J'admets avoir un petit peu d'a priori sur cette marque-là, comme c'est une marque qui existe en France depuis très 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 longtemps, que j'ai pu voir ma grand-mère effectivement utiliser de leurs produits de cette marque-là. J'avais un petit sentiment un peu poussiéreux, un petit peu vieillot, et je pense qu'au bout d'un moment, il faut passer au-delà de ces a priori. Et je me suis dit, ce serait bien quand même de tester. C'est fabriqué pas très très loin de chez moi, donc je me suis dit, bon, allez, on va tester, comme ça on pourra vraiment avoir un vrai opinion et justement pas avoir des on-dit. Donc l'avantage évidemment de passer par vente privée, c'est que en général, vous obtenez au moins 30, 40, voire même parfois 50% sur le produit. Donc là, c'était vraiment une bonne occasion de tester. Donc j'ai acheté 4 produits. Le premier produit, c'est un soin contour des lèvres et des yeux, une brumisateur, un démaquillant eau express et un gel douche marin. Premier produit, un gel douche. Et là, vous me dites, ouais, tester un gel douche. Si, 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 un gel douche. Surtout que je l'ai payé, et oui, j'ai noté le prix, 2 euros. Donc là, je me suis dit, je me prive pas. Ça me permet de tester la qualité. Bon, c'est simplement fait pour laver, hein, faut quand même relativiser. Mais ça sent effectivement très, très bon. Donc, c'est un gel douche, alors, eux appellent marin. La contenance n'est pas énorme, 200 ml, mais pour 2 euros, c'était une bonne occasion de tester leurs produits. Si vous voyez, c'est effectivement fabriqué dans le 56 à Carnac, donc c'est pas très très loin de chez moi en Bretagne. Donc, eh ben, je vais le tester. Je vais certainement partir en vacances dans pas longtemps, donc je vais le tester. Il est censé laver, mais c'est surtout au niveau de l'odeur. Alors, je l'ai effectivement déjà senti. Il sent vraiment très très bon. Oui, il sent très très bon. C'est assez discret et je vais rebondir sur le mot. Ça sent, voilà, ça sent l'iode, ça sent la mer. C'est très frais. Et je pense que ça va être très agréable à utiliser. Et puis la contenance est assez pratique, ça prend pas trop de place. Parfait pour un format voyage, ça. Alors, autre produit, une eau démaquillante express à l'eau physio-marine, riche en oligo-éléments essentiels. Et je ne fais que lire ce qui est marqué. Donc, je ne l'ai pas du tout testé. Je l'ai juste senti, ça va, l'odeur est assez discrète, ça agresse pas non plus le nez. C'est sans parabènes, enfin maintenant il y a beaucoup de produits qui le sont. J'ai une contenance pardon, de 200 ml et je l'ai payé 3 euros. Donc vous vous doutez bien, moi qui adore tester les démaquillants pour les yeux, pour le visage, là apparemment il fait les trois, les yeux, le visage et la bouche, c'est ce qui est indiqué derrière. Moi je suis toujours partante pour essayer de nouveaux produits, donc je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas donner mon avis. Mais je pense que ça va être très très bien. Donc ils en disent quoi derrière? Eau démaquillante express nettoie parfaitement le visage, les yeux et les lèvres en un seul geste. Donc ça m'étonnerait quand même en un seul geste. En même temps, ils vont pas dire que leur produit est pourri. Sa formule à l'eau physio-marine hydrate et apaise votre peau pour la laisser propre, nette et fraîche. Ça, c'est ce qui me plaisait. Ne nécessite pas de rinçage. Ça, par contre, moi, je rince systématiquement un démaquillant. Si vous avez rien, vous pouvez très bien au moins repasser un coton quand même. Les démaquillants, il y a quand même une notion de décapage, quel qu'il soit, même si c'est le plus doux possible. Ça nettoie, ça enlève le maquillage, donc faut bien quand même. Un peu d'agressivité pour défaire un mascara, pour défaire un fard qui tient toute la journée. Les pigments, faut bien les effacer. Donc, il y a systématiquement besoin de rincer tout démaquillant. Tout démaquillant se rince, même avec un brumisateur après, simplement avec de l'eau. Faut toujours rincer un démaquillant. Très bonne transition en parlant de rincer. Eh bien, voilà un brumisateur. Donc, brune, pure, hydrate et apaise, stimule les défenses de la peau. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une brume corporelle, enfin corporelle, une brume, pardon, d'eau. Moi, j'utilise beaucoup celle de Avène. Donc, je voulais tester et vraiment comparer. Donc, je l'ai payé 4 euros. Il y a en quantité, il y a 150 ml. Bon, le prix est ce qu'il est. Alors c'est apparemment ça hydrate et ça apaise. Je l'ai juste essayé une seule fois, j'ai pas vu la différence. Mais c'est pareil, le format est pas très important, donc je vais pouvoir l'emmener en vacances. Alors autre produit, c'est un soin lissant illuminateur contour des lèvres et des yeux. Et oui,
Rien que ça, dans un tout petit pondu comme ça. Donc, c'est un petit format pipette. Je l'ai déjà testé quelques fois. Il est très, très bien. Comme tout soin, il faut le tester plus qu'une ou deux fois pour savoir si vraiment c'est utile. En général, au bout d'une ou deux fois, vous voyez déjà si vous avez des boutons ou des rougeurs. Et il faut plusieurs jours après, voire peut-être même pour certains produits, plusieurs semaines, pour déterminer s'il est vraiment efficace ou pas. Donc, la contenance était de 15 ml. Et cette petite chose m'a coûté 9 euros. C'est ce qui m'a en fait coûté un petit peu le plus cher. En même temps, ça ne m'étonne pas, c'est un soin entre guillemets lissant anti-rides. Alors, ce qu'ils en disent derrière, je trouve ça plutôt sympa. Déridez-vous, la mère s'occupe de vous. Moi, j'ai trouvé ça très mignon. C'était bien trouvé. Les laboratoires de recherche Daniel Jouvent sont mis au point le complexe Algo Dérideur. Après un mois, voilà, vous voyez. Après un mois, le contour des lèvres est lissé, défroissé, confortable et souple. Ça enlève les marques de fatigue, blablabla. Donc, c'est évidemment sans parabènes, sans plein de choses. Donc, c'est censé apporter au moins une hydratation. Alors, moi, je l'utilise depuis, oui, quelques jours, à peine une semaine. Effectivement, j'ai trouvé que mon contour de l'œil était bien hydraté. Maintenant, il faut voir la suite. Voilà, est-ce que c'est mieux qu'un autre? Est-ce que c'est identique? Voilà, faut vraiment, je veux vraiment vous faire une belle revue, donc je vous la ferai. Mais je voulais quand même vous montrer mon petit produit. Voilà, alors ma revue était rapide. Hein. Pour une fois, j'ai pas fait de petite parenthèse, j'ai pas parlé d'autre chose. Je suis restée fixée sur mon sujet. C'est très surprenant de ma part. Hein. Mais non, voilà. Donc je voulais juste vous montrer ce que j'avais acheté. Et vous allez évidemment vous douter que ces produits-là, je vous les parlerai dans une revue, s'ils valent le coup, évidemment. Si c'est pas terrible, je vois pas l'intérêt de vous faire une revue. Ou alors, à défaut, pour vraiment vous déconseiller d'acheter le produit. Donc, je vais commencer ou continuer certains de ces produits et je me ferai un plaisir de vous dire ce que j'en pense. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à commenter. Surtout si vous les connaissez, ces produits. Si vous avez un avis positif, négatif, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et comme d'habitude, bye bye!